Afrobyte. C'est ce club qui va être créé à Paris d'ailleurs, et vraiment je leur dis merci pour ça. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont quatre gros avantages. Ils sont entrepreneurs. C'est important de créer des entreprises pour créer de la croissance, de la richesse et des emplois. Deuxièmement, ils sont en général dans le numérique. Le numérique, c'est énorme, c'est une révolution. Il y a beaucoup de choses à inventer. Et ces jeunes venant d'Afrique ou ont une imagination incroyable. Ils ont montré qu'ils ont été capables de développer des applications dans tous les pays africains, très révolutionnaires, très remarquables, créatives, innovantes. Troisièmement, ils sont dans le monde qui bouge, la globalisation de l'économie. Et le réveil africain est là. L'Afrique va passer d'un milliard d'individus à 2 milliards en 2050. Et donc ce réveil est sous nos yeux. Et puis quatrième chose, c'est tout ce qui est filière d'avenir. Le monde entier a besoin de développer son industrie du futur, ses smart cities, sa santé du futur, son agroalimentaire, son agro-industrie. Ce lien franco-africain est à développer. C'est une de mes grandes motivations au MEDEF, parce que je crois qu'on peut faire du win-win. Et je suis ravi aussi de voir que cette image africaine peut être totalement transformée grâce à ces jeunes entrepreneurs qui montrent du talent, de l'énergie, de l'enthousiasme. Merci infiniment.